aujourd'hui, on va aller presser des noix dans un moulin spécial. Donc ici on vient de mettre 10 kg de noix pour les faire avaler et on va en rajouter une partie. Donc on peut mettre une quinzaine de kilos voire 20 kg à l'intérieur de l'entonnoir. Donc jusqu'à 30 kg. Jusqu'à 30 kg, d'accord. Donc ici le ventilateur va souffler les noix dans un tuyau. C'est avec la manette on dégage le bourrage quand ça bloque. Les noix montent par le tuyau ici tout le long. Elles tombent dans le broyeur. Et ici même sous la hotte. Et tombe dans la cloche à cuisson. Donc les noix sont toutes moulues. Donc là, tant qu'on entend du bruit, c'est que les noix coulent. Vous voyez, il n'y a plus de bruit, donc là. Donc le moteur entraîne une ventilation et qui souffle les noix dans le broyeur. On va tout avaler. Et maintenant c'est parti pour la cuisson. Donc là on vient de mettre les noix, il est 15h de l'après-midi. Et donc on va compter combien de temps on les met pour les faire cuire. Cette grande perche est entraînée par un moteur tout là-haut pour brasser les noix, pour éviter qu'elles grillent. Donc là, on va se servir de coquilles de noix qu'on a réduit en miettes. On va les charger dans ce bac. Et une vis va entraîner les coquilles de noix vers un brûleur. Ici, le ventilateur insouffle de l'air dans le compartiment. Ici, vous voyez le compartiment. Donc ici, on peut régler l'intensité du brûleur.
Donc on chauffe à peu près à 110, 120 degrés. Et là, on va enlever les noix. Qu'est-ce qu'une cuite? Alors, hein. Et il est 15h09. Donc 10 minutes. 10 minutes. Donc là, les noix, on les met dans un espèce de bac. Et après, on va bien compacter le tout et refermer avec le tissu. Et après, direction la passe. Donc là, on va bien compacter. Et cette poêle va servir de filtre en fait pour éviter que les gros morceaux de noix passent à travers. Et après, ben, on est obligé d'attendre que cette presse-là est finie parce que l'autre est en panne. Donc là, la presse est finie, le cylindre est en train de redescendre. Et donc là, nos noix, direction la presse. Le temps de chauffe varie avec le poids de la... Avec le poids de la marchandise. Parce que si tu as 30 kg et que tu en as 10... Ouais, c'est pas la même chose, ça met pas le même temps à cuire. Voilà. Donc là, on a mis en route la presse, le cylindre est en train de monter. Tu regardes l'heure? Ouais. Regardez l'heure. Il est 15h13. Donc le cylindre a une pression de 500 tonnes à peu près. Donc là on a mis un pot pour récupérer l'huile. Et donc à mesure que le piston fait pression sur la marchandise, le jus des noix va passer à travers la toile et une grille et va ressortir l'huile par ici. Donc là pour l'instant il n'y a pas d'huile qui sort, ça devrait plus tarder. Vous voyez, ça fait déjà quelques gouttelettes. Et bah ça y est, c'est parti. Donc là c'est parti, ça coule à jet vif. Et donc ici on déballe le tourteau. Il est encore tout chaud parce qu'il vient de sortir de la presse. Et donc ça va partir en alimentation animale. Et donc on a remis la toile qu'on s'est servie tout à l'heure. Donc là le cylindre continue toujours à pousser. Mais vous pouvez voir que le jet est beaucoup moins vif que tout à l'heure. Bah, tout simplement parce qu'on a déjà pressé une grosse partie. Mais ça coule toujours. Donc là on arrive sur la fin. Il ne reste plus qu'un petit filet d'huile qui sort. La presse est terminée et il est 15h32. Donc on a mis à peu près un quart d'heure. Alors nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'appréciais. Pour le litrage d'huile qu'on aura fait, je te l'écris en dessous. Et puis bah moi écoute, je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde.